Saint-Mullard avec une gigue de trépanodore pour la une. Une pougnotte en gelée pour la deux. Et que ça saute. Et que ça saute. Et puis quoi encore, hein? Dans pas longtemps, il va falloir que je sois aimable en plus. Et attends, j'en connais une qui va te faire rire. Celle du canard et du tremblement de terre, tu la connais? Oh, excellent, celle-là. Bon. Lien Chou, l'entraide, ça te dit quelque chose? Et attends un peu, on forme un duo, non? On est censé s'épauler dans la vie. Hein? Pas vrai? Je n'ai plus qu'une dizaine de rangs à faire et j'aurai terminé le tricot d'Hector. Ma grabouif tort bien beau, un grabopule. Au fait, juste un petit rappel, Yan Chou. Tu sais, le duo dont je te parle, c'est toi et moi. Et non pas toi et ce machin bleu qui traîne par terre, là. Alors Hector, il attendra un peu pour son pull. Un grabong, Hector, pas machin. Hé, hey, vous, on ne fait pas la manche ici, hein. Vous ne savez pas lire, hein? Oui, de toute évidence, vous ne savez pas lire. Le plat du jour. Oh, c'est un excellent choix, votre monseigneurie. Vous verrez ici le tartare de dragon et de la première fraîcheur. Ah, clurk, pièce de monnaie de l'île de Zubrouf. Un seul clurk équivaut à peu près à 500 pièces d'or. Hein? Oh, saperlouse de saperlouse! Voici votre monnaie, votre Altesse. Monseigneur nous vient de l'île de Zubrouf, hein, n'est-ce pas? Ah, Zubrouf, un endroit vraiment magnifique, avec tous ces... Avec cette herbe si verte, plantée dans cette terre si noire. Vous savez, Monseigneur, quelque part, je vous envie de pouvoir vivre dans un endroit si merveilleux. Non, c'est vrai. Tiens, mais après tout, pourquoi je n'irai pas là-bas? C'est décidé. Dès que j'ai un moment de libre, j'y vais. Ni une ni deux, j'y vais. Croyez-moi, je plaque tout ici et j'y vais. Oh, mais j'y pense tout à coup. Que Monseigneur me rassure. J'espère qu'il n'y a pas trop de dragons dans le coin. Non, non, je dis ça parce que moi, j'ai une trouille bleue de ces sales bestioles. Bon, en même temps, je connais des chasseurs de dragons absolument épatants qui pourraient facilement vous débarrasser de cette engeance monstrueuse et ça, pour un prix défiant toute concurrence. Dans le cas où il y aurait des dragons, bien sûr. Sachez qu'il n'y a jamais eu de dragons sur l'île de Zubrouf. Même pas un tout petit dragon derrière du tout? Même pas. Ces gars sont pleins aux as et ils n'ont pas le moindre dragon à décimer. Je t'assure, il n'y a pas de justice, Yan Chou. Assiette mal lavée, repas mauvais. Attends, je crois que j'ai une idée. Et si on introduisait un dragon vraiment méchant sur leur jolie petite île de Zubrouf, hein? Comme un bon vieux macrozoar, par exemple. Tout de suite, la panique, nous, on débarque, on zigouille la bestiole et hop, on devient des héros. Et là, fini la vaisselle, bonjour la fortune. C'est malhonnête, Guizdo. Et puis tu sais, transporter un macrozoar est une entreprise bien trop risquée. Mais de quoi tu parles, Yan Chou? On ne risque absolument rien, puisque de toute façon, on n'a rien de rien. Et attends un peu... À toi de jouer, Hector. Je veux qu'ils aient la peur de leur vie. Ah, sa perlotte de sa perlou, il n'y a pas à dire dans le genre effrayant, il se pose là, Hector. Tiens, même une poule, elle fait plus peur que lui. Hector ne peut pas être méchant, ce n'est pas dans sa nature. Oui, bah, il n'y a vraiment pas de quoi être fier, hein. Eh, dites donc, vous auriez pu vous essuyer les pieds avant d'entrer, vous. Réjouissez-vous, brave malade de l'hospice de Rakanka. Vous êtes sauvé. Je vous ai apporté le remède aux herbes que vous attendiez. Vous vous êtes trompé d'endroit, noble chaos. Ici, c'est l'auberge du dragon qui ronfle, pas l'hospice. Oh, dites tout de suite que je suis myope comme une taupe. Cela dit, maintenant que vous en parlez, vieille femme, j'ai effectivement quelques problèmes de vision en ce moment. Bon, eh bien, puisque je suis là, quelqu'un aurait-il besoin d'un cataplasme, d'une amputation ou encore d'une bonne blague? Oui, moi, oui, bien sûr. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Bon, alors voilà, c'est l'histoire du canard et du tremblement de terre. Dites-vous, vous la connaissez pas au moins? Non, 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 je n'en veux pas de votre blague. Moi, j'ai besoin d'une potion qui rende les animaux effrayants. Mais alors là, vraiment, vraiment effrayants, hein. Même les plus insignifiants, si vous voyez ce que je veux dire. Une potion? Laissez-moi réfléchir. Attends voir, il me semble bien que... Non.
mais par contre, j'ai quelque chose qui rend les animaux très effrayants. C'est de la pétochasse. Normalement, les gens l'utilisent pour lutter contre la colique. Mais les effets secondaires sont très amusants. Regardez ce que ça donne sur cette grosse dinde. Cette grosse dinde n'a plus le moindre problème de colique à présent. Et vous savez pourquoi? Non? Alors, la réponse est pourtant évidente. C'est tout simplement parce que ce remède inverse le flux des humeurs corporelles dont le sens inverse est nonobstant égal au volume du fluide déplacé. Je vous conseille de l'essayer sur une plante verte. Vous verrez, c'est tordant. Léopold! Oh! Qu'est-ce que vous avez fait? Rassurez-vous, jeune homme. Certes, l'effet de la pétochasse dure très très longtemps, mais il finit toujours par cesser à un moment ou à un autre. Je crois. Moi, j'achète. Guizdo, ce n'est pas une bonne idée. Petit 1, on atterrit incognito. Petit 2, on fait boire la pétochasse à Hector. Magra bouif burger, gagra poix, Hector pas d'accord, pas bonne idée. Petit 3, Hector terrorise les autochtones. Petit 4, toi et moi, on déboule en sauveur. Petit 5, on leur fait signer un contrat exclusif. Petit 6, tu fais semblant d'oxyre l'horrible bête. Je comprends pas. Et petit 7, à nous la fortune. Je te le dis, mon petit Lianchou, pour nous, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Ça perlouille. Tu as raison, Hector, il s'agit d'un système de défense anti-dragon. 500 kilos de roche en charge, propulsion à 1000 pieds, ce type d'engin peut abattre un mandragosaure en plein vol. Tu vois, Lianchou, c'est à cause de machins comme ça que le métier périclite. Guizdo, je crois que nous avons un léger problème. Salutations sympathiques, gardes. Remisez vos armes et réjouissez-vous, car ce jour est un grand jour pour vous. C'est celui de votre rencontre avec le légendaire Lianchou, le plus grand chasseur de dragons que le monde des îles ait jamais porté. Ferme-la et suivez-nous. C'est pas possible, Lianchou, on a dû se tromper d'île. Tous ces gens sont encore plus pauvres que nous. Attendez ici, le seigneur de l'île de Zobrouf va vous recevoir. Par pitié, la charité, noble voyageur, à votre bon cœur. Désolé, mon vieux, mais les temps sont durs pour tout le monde. Tenez, mon brave. Oh. Oh là 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 là! Saperlotte de Saperlouille! Mais enfin, vous êtes qui, vous? Je suis Aldo, seigneur de l'île de Zobrouf. Loin de moi l'idée de vouloir être indiscret, grand seigneur de Zobrouf, mais si je peux me permettre, il y a quand même un point qui me tarabuste. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous vivez dans la misère alors que vous êtes tous si fabuleusement riches. Mais enfin, tout simplement parce que notre argent n'est pas fait pour être dépensé. Ah bon, et vous en faites quoi au juste alors? Eh bien, on le stocke là-bas.
je dois reconnaître que, vu sous cet angle, c'est un raisonnement qui se tient. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes tous les deux chasseurs de dragons. Mais, vous savez, nous n'avons pas besoin de vous ici. Ah oui, ça on a bien compris, monseigneur. Mais rassurez-vous, on n'est pas là pour démarcher. Je veux pas jouer les vedettes, mais nous, vos clurques, on n'en a pas besoin, vous savez. C'est vrai, des professionnels comme nous, ça croule sous le boulot. Mais imaginons un peu, simple hypothèse d'école. Hein. Enfin bref, imaginons donc qu'un dragon vienne vous attaquer. Eh bien, nous, on sait même pas si on aurait le temps de s'en occuper. Pas vrai, Lianchu? Nous, ce qu'on cherchait, c'était une auberge douillette pour faire une halte. Pas longtemps, hein, juste l'affaire d'une nuit. Dites, monseigneur, vous n'auriez pas ça sous le coude, par hasard? Bon, c'est vrai que c'est un petit côté rustique, mais ça a son charme. C'est bon, tu peux sortir la bête. On passe à la phase numéro 2. Ce n'est pas une bonne idée, Guizdo. Nous ferions mieux de laisser tomber. J'ai un mauvais pressentiment. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend à ce cochon? Je crois qu'il a plus la colique. Oups, désolé Hector, je suis tellement maladroit. Tu vois Hector que tu réussis à être bon quand tu y mets du tien. Impressionnant, hein? Un peu plus et il me ferait vraiment peur. Allez, hop, au charbon. Et t'as intérêt à t'appliquer, compris? Et maintenant? Maintenant, on attend. Ça, c'est ce qu'on appelle de la bonne terreur. Faut dire que quand on s'adresse à un éminent professionnel comme K.O., on n'est jamais déçu. Moi, tout ça, ça ne me dit rien qui vaille. Ah, je la vois d'ici, la réaction de notre ami Aldo. Ah, je vous en supplie, grand chasseur, faites quelque chose. Vous êtes notre dernier espoir. Oui, tu vas voir, Lianchu, c'est en rampant qu'il va venir nous supplier. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, rien. C'est ça le problème. Il ne se passe rien du tout. Guizdo, je crois qu'il y a un problème avec Hector. Laissez-moi passer. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Seigneur Aldo, c'est une catastrophe, oui, une véritable catastrophe, un abominable, que dis-je, un affreux, un terrible dragon est en train de saccager les habitants et d'étriper tout le village. Un dragon est en train d'étriper les habitants et de saccager tout le village. Très bien, et alors? Et alors? Il faut que vous fassiez quelque chose, mon vieux. Ah, tenez, je suis sympa pour vous, je vais bousculer le planning et je vous case entre deux commandes. 10 000 clurques et Lianchu transforment ce dragon en mauvais souvenir. Attention, hein, c'est un prix d'amis, bien entendu. Hein. Normalement, des chasseurs de notre calibre, c'est deux fois plus cher. Bon, alors vous signez ici, ici et là, d'accord? Non, pas question. Ne tenons-t-on pas notre argent? Quoi? Mais enfin, Hector va... cet infâme monstre va dévorer tout le monde, vous savez? Eh bien, tant pis. Hein? Oh non, vous pouvez pas laisser faire ça. Vous avez pas le droit, c'est immoral. Allez, on oublie tout. Écoutez, vous m'êtes sympathique, je vous fais une offre à 5 000 clurques, tout compris. Hein? Alors qu'est-ce que vous en dites, monseigneur? Pas question. Hein? 1 000 clurques. Non mais attendez, vous rigolez ou quoi? Bon d'accord, 500, mais c'est ma dernière offre. Désolé mon vieux, mais il faut que j'y aille. Bon alors, disons 100. Oui, 100 clurques et l'affaire est conclue, d'accord? Non, 50 et le tout payable en 10 échéances, sans frais. 50 clurques. Eh oui, mon grand, voilà ce que c'est que de savoir négocier. Ah, je t'assure que parfois, je m'épate moi-même.
Oui, bon, c'est vrai, t'as raison, mais à ce prix-là, on fait rien de plus que le minimum, hein? Juste la prestation de base et hop, on met les voiles. À ce propos, Guizdo, je voulais te dire, pour Hector... Plus tard, Lianchou, plus tard. Zoubroufiens, Zoubroufiennes, ne tremblez plus dans vos masures. Le règne de la terreur est révolu et blablabla et blablabla. Oui, enfin, en un mot, commençant, n'ayez plus peur, on va zigouiller le dragon, d'accord? Allez, Lianchou, en piste. Oh, mais où te caches-tu donc, infâme créature démoniaque? Ta dernière heure a sonné, vil dragon. Apprête-toi à goûter à mon glaive. Bon, à mon signal, tu t'écroules, c'est compris? Non mais franchement, est-ce que vous vous rendez compte? Même sous-payé, ce grand professionnel risque sa vie pour vous sauver. C'est ce qu'on appelle le sens du sacrifice. Prenez-en de la graine, bande de pleurmisères. Ce combat minable avec Hector, tu veux détruire notre réputation, c'est ça? J'ai essayé de te prévenir, Guizdo, mais tu ne m'as pas écouté. Hector a perdu la boule à cause de la pétochasse. Tu as raison, mon grand. On n'aurait jamais dû bosser avec ce guérisseur de malheur. C'est horrible. Hein? Oh, regardez ce que cette bestiole est en train de faire à mon argent. Il faut que vous arrêtiez cette chose tout de suite. Vous m'entendez? Il y a pas le feu au lac, monseigneur. C'est vrai, quoi, pour 50 misérables clurques, faut pas non plus s'attendre à avoir un service express, vous savez. Oh, oh d'accord, sans clurque, tout compris. Et qu'est-ce que vous en dites, hein? Je dis que vous pouvez faire encore un petit effort. Bon, alors 500 clurques, mais c'est ma dernière offre. Désolé, il faut que j'y aille. Viens, Lianchou, les vraies commandes nous attendent. Et 5 000, oui, disons 5 000 et l'affaire est conclue, d'accord? Non, 10 000, dont 5 000 payables en avance et ça, qu'on tue le dragon ou pas. Alors vous signez ici, ici et là, monseigneur. Allez, à toi de jouer, Lianchou. Pour 10 000 clurques, tu peux leur faire la parade d'honneur et tout le toutim, si tu veux. Non, Guizdo, je refuse d'attaquer Hector. Oh, mais regarde comme il est devenu, le pauvre. Si ça se trouve, il souffre énormément, hein. Tu sais, je suis sûr qu'en l'attaquant, tu lui rendrais service. Allez, pour son bien, mais aussi pour le nôtre, découpe-le en tranches, mon grand. Un petit coup derrière les oreilles et hop, on n'en parle plus. Non, hein? L'effet de la potion va disparaître. Hé hey, s'agirait peut-être de passer à l'action. Sinon, vous pouvez faire une croix sur le deuxième versement. T'entends, Lianchou? Alors maintenant, tu vas agir en professionnel ou sinon... Celui qui a un dragon veut faire la peau se sert d'un appât. Celui qui ne veut pas se sert d'un appât. Un appât? Mais quel appât? Allez, suis-moi, petit dragon! Oh, misère de misère! C'est pour ton bien, Hector. Eh ben bravo! Génial ton plan! Grâce à toi, voilà 5000 clurques qui partent en fumée! Ah, t'as de la chance qu'il y en ait 5000 autres qui nous attendent, moi je te le dis, hein. Oyez, habitants de Zoubrouf, réjouissez-vous! Car l'immense, le grand Lianchou vient de mettre un terme à votre calvaire! Bon, c'est pas la peine de nous remercier, vous savez, on a juste fait notre boulot. En fait, tout ce qu'on veut, c'est notre argent, hein? 5000 clurques, comme c'est indiqué sur le contrat. Regardez, c'est affreux! Il ne nous reste plus rien! Mais alors, comment vous allez nous payer?
On ne peut pas, parce que maintenant, nous sommes pauvres. Oui, ça va pas tellement vous changer après tout, hein? Faudrait faire vite, Guizdo, sinon Hector va casser les barreaux de sa cage. Hector? Dites, comment ça se fait que vous connaissez ce dragon par son prénom, hein? En fait, vous voyez, c'est une longue histoire. Ah, quand je pense à tout ce qu'on a fait pour eux. Oh, saperlotte de saperlouille. Zaza, Jeanneline, est-ce que vous êtes là? Lianchu, Guizdo est avec toi? Bien sûr. Ah, ça tombe bien, parce que tu vois, j'ai deux mots à lui dire. Alors voilà, j'ai arrondi. Ça nous donne donc 12 ans, 3 mois et 24 jours de service. Petit déjeuner, déjeuner et dîner compris. Allons, du calme, Jeanneline, du calme. Attends un peu de voir ce que je te rapporte. Tu sais combien j'ai dans les mains? 40 clurks. Avec ça, il y a largement de quoi retaper ce boui-boui, enfin je veux dire cette auberge, et effacer notre ardoise. Hein? Guizdo, une truffe de mamulard farci et une gigue de trépanodore pour la une. Une gougnotte en gelée sur son lit d'haricots pour la deux. Et ça saute.